Aye, jipo akko enyade ome, eye enyaya ache kulakbe ome le wotroya. Wode kak la fi ikene lea, eye mia adokbe da. Akbe mada, akbe mada, akbe mada, na nye ma u, de la yeswe. Delaye suye omda agbe Alleluia agbe mada na nye mau agbe mada agbe mada agbe mada agbe mada agbe mada agbe mada na nye ma u de la yesu de la yesu ye o agbe haleluya agbe mada na nye ma u de la yesu de la yesu ye hom dagbe hallelujah agbe mada na nye ma u jipo pe ma u me de agbe na o le we troya me ka fu me de orochi me chonu ti koko kata na o papa e jodi na mi e onye jijo gare na mi Bemia dakpoto ana agbagbe odo mele wotoya amenu bebe esia enye na me papa manyamia ponu seyo manyamia pe kaleyo manyamia ponu tepo oyo papa kebo wa menu bebe tani ede akpe no papa le wotoya to hela me ti akpe no de amiade ikele pomi le asokeda me ti akpe no de epakpeta me ti akpe no de mucho ade pakpeta le wotoya me ti akpe no de nyonu ade pakpeta le wotoya Papa me ti akpe lo du koye ira de pa akpe ti ale wo choya. Ame nu vela fofo akpe na wo. Aso me ti akpe na wo. De wo subo la pa akpe ta. E la bene ga demo. Be wo choya. Waga no miya dome. Eyo waga konya na miya de. Waga koji po pe nya de miya de me. Mi e ti akpe na wo papa. Aso me tok be da.
eye metwe nyala de asimeno papa enyala tonye owe blonanya eye te ale sayama blonyane otuko ponu na meade papa na meade wakpo chirudu na meade wakpo katutu na meade wakpo menu bebe le yeso kristo panye kome aso me dogbeda nous sommes siada, ayez ma dynamo, be on y a auto, le auto copper titina, mais donc pendant la yesu panu comme, ben nous sommes au catane y de cloti, bok bok fois de siada, ayez ma de momena, amiade a auto yo, amiade a catutu, ye ho amawe, ye tous sera nous sommes au cata, comme des dépêmes ou genou au cata comme, y de dile wotroya, ayez le nula, ni a tonti kokuya nao. Le Yesu Christo nasre to panu comme mi to gbedale. Amen. Nobi le wetroya Yehowa mau yirami gede. Aye epe amesiami na le miatome. Aye jipo agasene o katutu le wetroya. Jipo agasene amenu veve kande ike agera gbome le wetroya. Jipo agasene o toyoyo le wetroya. Ta afike nere la. Wode kak bakle mau pe kwa bon. Aye na duji le wetroya. Mais ni ma regame fou la mia ahomiato mia homiato fifi la amen amen yesu jise o neme so bo ya mako o no konuo aplo wodo o lewa gbe ke kia wo me no kono wo aplo wodo lewa gbe ke kia wo me awo ne mi kho yesu jise ne mi su ba ya mako no kono wo aplo wodo lewa gbe ke kia wo me no kono wo aplo wodo lewa gbe ke kia wo me notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Nous te retenons la gloire et l'honneur ce soir. Ceci est une grâce pour nous de rester en bas de cette télévision. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance. Ceci est une grâce. D'autres pouvons penser, mais cela ne peut pas se matière pour eux. Si cela a pu arriver dans nos vies, c'est une grâce. Père, nous te disons merci pour cette grâce. Maintenant ce soir, nous invitons sur ton esprit, l'esprit qui est déjà mis en nous, qu'il œuvre encore la manière dont il le fait, qu'il le fasse plus qu'avant, pour que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Que Jésus te bénisse pour moi ce soir. Ce n'est pas par hasard que nous nous voyons encore ce soir sur cette télévision. L'Éternel Dieu a établi ceci afin que moi et toi nous puissions nous rencontrer dans cette situation. Si tu es quelque part et tu nous vois de loin, le ciel t'a béni ce soir. Je salue tous mes bien-aimés. Tous ceux qui courent maintenant pour aller au temple. Parce que nous sommes dans un réveil spirituel. Et le thème même de ce réveil, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour cela, bien-aimé en Jésus, je ne suis pas venu pour te parler de ce thème. Mais je voudrais te dire, je ne sais pas quelle mort on t'a programmé. J'ai une foi qui me dit que tu ne mourras jamais. Parce que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que le ciel te bénisse ce soir. Nous venons du centre de prière qu'on appelle Silo. Pour rencontrer ou pour aller à Silo.
Tu peux nous voir à Nyamasi ou à Sobosito. Si tu arrives à Somayafa Sobosito. Banco Somayafa la pomme tiende et quelques poules à maïde. En face de Somayafa, tu verras une voie non bitumée qui va vers Adetikope. Si tu prends cette voie, après 300 mètres de marche, tu verras une antenne. Et l'antenne se situe dans un carrefour. Et lorsque tu arriveras à côté ou près de l'antenne, bien-aimé, tu verras le centre de prière de Silo. Si tu demandes à toute personne dans le quartier là-bas, on te le montrera. Que Jésus te bénisse ce soir. Afin que demain, toi, si tu viendras nous voir là-bas, nous allons prier ensemble. Tout ce qui est mauvaise parole que quelqu'un a proféré contre toi, dans la déclaration, nous allons effacer toutes ces choses dans ta vie. Pour cela, je t'en supplie ce soir, il faut faire un avec moi. Il faut s'unir avec moi ce soir. L'Éternel Dieu te donnera la victoire. L'Éternel Dieu te donnera la victoire. Il va te vivifier ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es assis. Je ne sais pas sur quel siège on t'a donné et tu t'es assis. Peu importe la chaise sur laquelle tu t'es assis, l'Éternel Dieu va te faire lever sur cette siège. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel Dieu va te soulever de ce siège. C'est ceci qui a touché mon âme. Et je t'ai apporté un thème ce soir. Et le thème dit: lève-toi et marche. Bien-aimé, je sais que c'est un genre de paroles, vous avez l'habitude de l'écouter. Lève-toi et marche. Bien-aimé en Jésus. Pour dire à quelqu'un de se lever de marcher. Cela prouve que la personne est dans une situation où on ne peut pas lui dire de marcher immédiatement pour partir. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela montre que la personne doit se lever d'abord avant de trouver la grâce afin de marcher. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Jésus, je t'ai apporté ce thème. Lève-toi et marche. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne vois pas comment est-ce que la chose s'endurcit chez toi. Mais je suis venu au nom de Jésus. Pour te dire de te soulever, de te lever dans cette situation. Bien-aimé, je dis lève-toi et marche. Une fois écouté ce genre de thème, on t'a donné une prédication concernant ce thème. Ce n'est pas ceci qui est important pour moi. Si tu peux me prêter tes oreilles, je n'ai pas vu la situation dans laquelle tu t'es assise. Si l'Esprit de Dieu est sur moi, tu vas te lever de cette situation. Et là où ils n'ont pas voulu te voir, tu vas marcher, aller en ce lieu. Là où on ne reconnaît pas la grâce provenant de Dieu, toi tu iras à ces lieux et ils vont reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que je demande maintenant, quelle est la situation dans laquelle tu es maintenant? C'est sûr que c'est dans quel fauteuil tu es assise maintenant. D'autres se sont assis sur un fauteuil de malédiction. Et ils ont refusé de se lever. D'autres se sont assis sur un fauteuil de célibat. D'autres se sont assis sur un fauteuil de permets-moi ce que je te dis bien aimé. Ce genre de fauteuil, en certain temps, ce n'est pas la personne même qui a voulu s'asseoir dans ce fauteuil.
alo amen ti oluki wo gbogbo lati adu asipi ya na o e wa lo wa na yin reji pour cela l'être humain mauvais peut se transformer en esprit et il va te donner cette fille de ce soir. Bien aimé, je ne sais pas la manière dont tu arrives à comprendre ici. Où ils ont pris la première chose. La manière dont ils ont vu. Quand tu me fautais à ces soirs, je voudrais te dire ce soir que ce siège va se soulever ce soir. Et tu vas commencer par marcher. Là où tu n'as pas pu marcher, tu vas marcher, tu vas aller en ce lieu. Bien aimé en Jésus. Je connais quelqu'un, l'appelle Jésus. Et Jésus, partout où il arrive, il fait du bien. Si il arrive dans une ville ou dans un pays, les gens trouvent grâce. Bien aimé en Jésus. Si Jésus pouvait nous permettre à ce que nous aussi nous soyons aujourd'hui. Si Jésus Christ pouvait nous choisir aujourd'hui afin que nous travaillions pour lui aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Jésus Christ pouvait nous faire grâce afin que nous puissions travailler pour lui. Ça fait qu'il y a certaines choses qui sont encore restées. Lui-même il a laissé qu'il ne va pas le faire. Bien aimé, je ne voudrais pas que tu perdes le fil de l'histoire. Tu es dans une situation maintenant. Jésus-Christ a permis à ce que cela soit ainsi, afin que quelqu'un qui l'a un, il a imposé la main, la personne puisse déclarer parole, afin que cette situation puisse être restaurée. Celui que Dieu a appelé, il prêche la parole de Dieu. S'il prêche la parole de Dieu, il va déclarer des paroles. Et toutes ces prophéties se matérialisent. Lorsque Jésus a resté sur la terre. Bien aimé en Jésus. Il y a un centre de prière. Il y a un temple. Synagogue. Il y a une synagogue. Bien aimé en Jésus. Et Jésus Christ aussi allait dans cette synagogue. Jésus Christ aussi allait dans ce temple. Alléluia. Mais quelque chose s'est produit. On dit il y a quelqu'un en face du temple. Hey. En face à l'entrée du temple. À l'entrée du temple, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un à l'entrée du temple. Et on lui a donné un siège. Un siège que lui-même n'a pas voulu rester devant. Bien aimé en Jésus. La personne à qui je veux. On dit lui, il est né avec ce siège. C'est ce siège qu'on a laissé sous lui et il est assis là. Et il est là, il prend de l'âge sous la siège. Et il vieillit et il est toujours sur cette siège. Et la siège, c'est quel siège? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es assis sur un siège maintenant. D'autres, ils ne sont pas assis là-dessus avec leur propre volonté. Mais on les a forcés de rester dedans. Cela veut dire que dans toute la famille, ce sont ces gens de siège sur lesquels ils s'assoient. Bien aimé, je dis pour toi sera brisé ce soir. Je dis pour toi sera concassé ce soir. Par les sièges de certaines personnes, on sent les cailloux. Pour d'autres, c'est l'arbre. Pour d'autres, c'est le fer. Mais je ne sais pas, c'est pour toi. Comme c'est un mauvais siège qu'on a posé sur toi. Le Seigneur Jésus va briser ce siège ce soir. C'est pour cela que je suis venu te dire. Après avoir concassé le siège sur toi. Maintenant, lève-toi et marche. Bien aimé, tu vas te lever ce soir. Dans
ameve kova amaden. Nous allons voir quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du deuxième verset au sixième verset. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. La Belle. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean. Qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Nous c'est un penseur qu'on allait lui donner un bien matériel. Il pensait que quelqu'un aura pitié de lui en ce jour. Mais à chaque moment, on l'amenait à l'entrée du temple. Mais lamentablement, on l'amène à l'entrée du temple, mais il n'a jamais foulé son pied dans le temple. Non, mais il la situation dans laquelle il n'a pas pu avoir l'occasion de rentrer dans le temple. Bien aimé en Jésus. Il est temps pour que toi aussi tu rentres dans le temple. Il est temps pour que toi aussi tu rentres dans le temple. On dit lorsque Pierre et Jean marchaient, on dit cet homme les a vus de loin. Et il disait, je vais encore recevoir quelque chose. Oh, ils vont encore me donner certaines choses, ces hommes. Bien aimé en Jésus. C'est comme ça l'être humain pense. Ce que Dieu veut te faire, ce n'est pas ce que l'être humain donne. C'est que c'est pas celui de l'être humain. C'est ça l'éternel Dieu donne aux gens. Bien aimé, permets-moi ce que je peux te dire. Jésus aussi rentrait dans ce temple. Mais il voyait cet homme, il ne l'a jamais guéri. Permets-moi ce que je te dis. Pierre, c'est un gars peureux. Il parlait avant dans la chair. Il parlait dans la chair. L'autre Jésus voudrait la quitter. Pierre disait qu'il était prêt pour aller avec Jésus. Jésus lui a dit de laisser. Parce que Pierre ne comprend pas de la chose. Jésus l'a dit lorsqu'il rira. Dixième jour après. L'Esprit Saint descendra sur eux. Jésus dit lorsqu'il ira, il ira au ciel. Après 10 jours. Nous serons à l'idée aujourd'hui. Ils recevront une puissance particulière. Parce qu'après la mort de Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Il s'est ressuscité. Et il est assis avec 40 jours. Il est assis avec 40 jours. Et au 40e jour, Jésus les a dit, je vais vous quitter. Alléluia. Amen.
Lorsqu'il partira, il ne faudra pas qu'il pense qu'il les a tués. Il est toujours avec eux. Dans le monde de l'esprit, à partir de ce moment, si l'esprit descend, la chose qui n'arrivait pas à faire, ils vont commencer par le faire. Alléluia. Amen. Je sais que nous tous, nous avons fêté la fête de la Pentecôte. Et l'esprit de Dieu a renouvelé encore son alliance. Mais je ne sais pas dans quelle situation tu es. Si cette onction continue par le feu, donc si tu vas te lever de ton fauteuil, lorsque Jésus est parti après son désastre, le Saint-Esprit est descendu sur la apôtre. On dit, Pierre, on dit, ils ont pu prêcher 3000 âmes. Oh, alléluia. En plus, amen. Amen. À quoi de cas ameton? On dit, on l'a mis à quoi ameton? Si on parle de 3000 personnes en ce moment, on ne parle pas des femmes, on parle seulement des hommes. Cela montre que peut-être les femmes, le nombre de femmes peut arriver jusqu'à 5000. Et tous ceux qui ont pu recevoir Jésus en ce jour, ils peuvent arriver jusqu'à 9000 personnes en un. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est eux qui ont donné leur vie à Jésus. On dit, ils ont propagé le ils ont reconnu la puissance qui est retenue. Avec l'esprit qui est rentré en eux, les apôtres ont pris la charge. Tout le monde a pris sa tâche et il œuvrait pour Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est temps afin qu'ils puissent rentrer dans le temple. Et ils couraient très fort pour pouvoir rentrer dans le temple. Avant qu'ils ont rencontré ce temple, ils voyaient avant ce temple. Ils le voyaient avant, ils le donnaient de l'argent. Mais lamentablement, ce jour, ils n'avaient pas eu le. Et on a dit à ce homme, si quelqu'un close à l'eau, mais la signe est nous c'est la signe la mana ou. Close à l'eau, close à mais la signe est nous c'est la signe la mana ou. Oh, bafato, oh, na zazoli, bafato. On dit, lève-toi, marche. C'est ce que nous t'avions apporté aujourd'hui. C'est un pensant que ce jeune homme blaguait. Et ils l'ont pris avec le bras. On dit, lève-toi maintenant. Je ne peux plus rester si demander à moi. À partir d'aujourd'hui, toi aussi qui vas rentrer dans le temple. Et les gens demanderont, tu es qui? Et en ce jour, l'homme qui était né dans cette situation, il s'est levé. Il a commencé par marcher. Au moment où il marchait, cela n'est pas arrêté là-bas. Il a commencé par courir. Il courait. Il a vu que il a reçu une grâce. Que cette grâce te localise toi aussi. Que cette grâce descend sur toi aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le gamiata, what est vous, mon ami? À cause du temps, on peut nous ouvrir la ligne. Amiade la titele. Enfin, azikpe vont y auto d'arène. Amiade la titele azikpe wadi. Quelqu'un va se lever du fauteuil, du mauvais fauteuil sur lequel on lui a déposé. Nous y a de tout ça d'arène avant azikpe. Ne on a ni de dire. Amiade la titele dit le oui. C'est que les sorciers ont posé comme siège et il est assis là-dessus. Quelqu'un va se lever. Donc azikpe a ouvert vague mais on a ni de te faire caigbe à tourné wasasoli. C'est que le fauteuil ancestral a laissé dans sa vie. Il était aujourd'hui afin qu'il puisse se lever et marche. Bien aimé, j'ai dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pierre a dit à cet homme,
aujourd'hui. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de l'or. Mais dans cette chute, lève ta main. C'est un bien-aimé, toi, si tu marcheras au nom de Jésus. Je dis toi, si tu marcheras au nom de Jésus. Christian ne peut te limiter. Oh, ta bénédiction ne sera plus limitée. Partout où tu vas, tu trouves des malades dans ta vie. Parce que tu es assis sur un siège. Mais pour cela ce soir, je déclare que tu te lèves bien aimé. Toi qu'on a mis dans une situation paralytique. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi qu'on a déposé dans une situation atroce. Tu ne travailles pas pour toi. Toi tu n'arrives pas pour toi. Je dis lève ta main. Lève ta main. Je dis lève ta main. Oh, reçois maintenant l'ordonnance. Reçois cette ordonnance. Lève ta main. Toi qui m'écoutes depuis le Bénin maintenant, je prophétise sur toi, lève-toi. Toi qui ton business est détruit, lève-toi, marche. Ma vie est à toi. Bien-aimé, tu vas te lever et tu marcheras. Une nouvelle marche. L'homme ne savait pas comment marcher. Cela montre que la manière dont il marche, il n'a jamais marché. Bien aimé, toi aussi, tu n'as jamais marché. Tu n'as jamais trouvé de l'argent. Tes choses ne prospèrent pas. Tes choses prospèrent. Je dis tes choses prospèrent. Tes choses vont avancer. Toi aussi, tu riras maintenant. Toi aussi, tu vas avancer. Tu auras ta victoire maintenant. Un enfant qui va à l'examen, il échoue toujours. Il va à l'examen, il échoue toujours. Je suis venu te dire ce soir, pour cette année, lève-toi et avance. Lève-toi et change ta classe. Lève-toi et dis que cette année, moi aussi, je suis victorieux. Bien-aimé en Jésus, tu peux nous appeler sur le 92. Ce qui importe est que tu reçois la parole. Roi Salomon. J'appelle depuis moi et mon nom. Et nous, quand même, ma ou ne wana yé. Mais je n'y a ma chite ma zon zon li. Non, vi a chite yé na zon zon li. Et y'a de la fin maintenant. Tu dois te lever, tu vas marcher, bien aimé. N'y'a ma n'y'a non, mais y'a ma n'y'a l'eau. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Que tout tout, regarde yom yé. Mais la foi qui t'a poussé à faire ce que tu as fait. Dans ce jour. Chite na zon zon li. Lève-toi et marche. Chite na zon zon li. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ma vie, il est encore là. Avance maintenant, bien aimé. De kona pour me wa. Ah, il faut honorer ta famille. Denkona fomewa. Honore ta famille. Denkona fomewa. Honore ta famille. Yachi anava mena o. Que ceci soit matériel. Je ne sais pas la situation de la terre. Mais je te vois que tu te lèves. Tu vas avancer. Le Yesu fankom. Au nom de Jésus. Le Yesu fankom. Au nom de Jésus. Le kegbe no bele yachi no no me. Qui t'a dit que tu vas demeurer dans cette maison? Aujourd'hui maintenant. Dollar anava.
Quand je viens. Hey, maman, aide. Je dis aujourd'hui. Que l'on ne va pas. Quand je viens auprès de toi. Bon, allez, chité. Qu'il te soulève maintenant. Au nom de Jésus. Oyirao. Tu es béni. Novi la teyomi. Tu peux nous appeler bien-aimé. 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. Yom, yom, yom. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons prophétiser sur vous. Bien-aimé en Jésus. Si Dieu a appelé cette personne, cela veut dire qu'il reste encore cette mission. Et nous autres, nous devons le faire. Pierre n'est plus aujourd'hui. Jean n'est plus aujourd'hui. C'est moi qui ai Jean. C'est moi qui ai Pierre. C'est moi. Bien-aimé. Pasteur, oui. C'est les hommes de Dieu. Maintenant, on a donné ordonnance aux hommes de Dieu maintenant. Afin qu'il puisse prophétiser sur vous. Je prie pour quelqu'un ce soir. Toi à qui ton esprit est en train de balancer. Toi à qui ta foi est en train de balancer. Ce soir. Le Seigneur va te restaurer. Hello. Hello. Allô. Hello. Allô. Hello. Allô, papa, oyera olo. Amen. Oyera otalo. Vous êtes béni aussi. Je me dis même si tu es bien, je m'en vais en ligne. Je suis bien comme. Mende kuku. Mende kaya le yon. Oyira aussi, assistant Elise. Dieu bénisse sœur Elise. Je m'en fous tellement d'angelo et que le Jésus ben comme. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a fait soulever de cette nouvelle Gabriel, quand tu t'es la zikpeya dit. Il y a un ange, Gabriel, qui est venu te soulever de cette nouvelle. Et il te donne... Des onaïs encore. Marche maintenant avant. Pogana vlanigba. Trouve l'argent prêt. Sois paradis. Construis ta maison. Nana viona faux. Afin que tes emplois soient libres. Paie ta voiture. Yé, maudit n'agbor. Il faut voyager, tu veux dire. Mais nous tu obéis au catané de Je prophétie pour toi que tu sais que tu vas te garder. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oyira sister Elise. La sœur Elise, vous êtes bénie. Gloire à Dieu. Hallelujah. Quel type de siège tu es là et tu me vois. Hello. Allô, papa, papa, on est là. Amen. Oyira otcha. Tu es béni aussi. Papa, moi, on est là. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Ah, ok. Meilleur sur Burkina, François. Meilleur sur Burkina. Frère François. Ouais, ouais, François. Oui. Oui. Oyira aussi. Vous êtes béni, frère François. Amen, amen. Oyira, Oyira, Oyira. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Le Wetro Yade. Eh, ouais, il va te battre de l'équité. Hey! Eh bien, ceci est incomplet pour toi. Nyamanya, laïque, ou laïque. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont pour toi. Ayo, katanye, bobo, yo, plona, yo, menao. Tout ce qui est sur mon mec qui t'a poursuivi. Ayo, fils, y'a fille, qu'on nous a tenu dans Oko. On y'a na, on la fima. Ayo, plona, on a fait ce sébé. Et partout, les choses vont marcher pour toi. Eh bien, ouais, toi, y'a me. Ce soir, afin que quand on t'y le Seigneur t'a soulevé. Ayo, on doit assolir son sommeil. Et il t'a mis en marche. Le Yesu fait nous comme. Au nom de Jésus. Tout ce qui est détruit pour toi des années passées. Toutes ces choses vont te revenir. Il te revient la douce. Au nom de Jésus. Oyiramia Fofo François le Burkina. Notre frère François depuis Burkina, vous êtes béni. Oyirami. Vous êtes béni. Mais de coucou, Amérène Young. Que quelqu'un nous appelle, s'il vous plaît. Niyama Gblevoye, elle a fermé là. Moi, je vais prophétiser, cela va se matérialiser. Niyama Gblevoye, elle a fermé. Moi, je vais prophétiser, cela va se matérialiser. Hello. Hello? Allô? Yeah. Allô? Oui. Le sou, le Yosso Côte d'Ivoire, quoi. Allô, Yosso Côte d'Ivoire. Vous appelez de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais de coucou, la terre yon quoi, on a mien? Nicole, il y a Ambroise, il y a Djavoué. Oh, frère Ambroise, on y là, on le Wetroya. Frère Ambroise, vous êtes béni ce soir? Nous, quand même, on est on a yé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse?
Ma on est quoi? Tu te la sique pas dit?88 10 39. Oyira aussi. Tu es béni. Oyira. Amérène yo. Que quelqu'un appelle. Il y a un sous bon ami. Amérène garde camé. Allô. Allô. Yeah. Oh, ça va. Hola, mi soe, pon po. Allô. Hello. Papa, moi, on est Yira Milo. Amen. On est Yira Milo. Tiens, mais comment est-ce que le kunye mama Anaïs ero. Mama Anaïs. Mama Anaïs. Oyira osia. Tu es béni. Allez yomi so nyamasi. Tu nous appelles de nyamasi. Le wetro yamere. Ce soir. Azikpi oto dare gomena. Le siège qu'on a posé c'est toi. Et tu vas zikpi oto dare gomena. Le siège de mort qu'on a posé. Et oto dare gomena mi akwa sur akwa vio. On a posé sur la vie. Le wetro yamere wazikpi ala si osia. Je prends ce siège. On va dire azikpi ale gomena. Je j'enlève ce siège. Tu te nasois soli. Lève-toi, marche. Tu te naïn ko. Lève-toi, avance. Tu te nasois soli. Lève-toi, marche. Le Yesu au nom de Jésus. Oyirao. Tu es béni. Miadogo le pame. Nous allons nous voir dans le temple. Amen. Amen. Côte d'Ivoire, toi là, t'es yom le 90, 88, 10, 39. Ceux de Côte d'Ivoire, vous pouvez nous appeler sur le 90, 88, 10, 39. Tu peux me faire WhatsApp, tu peux m'envoyer un message. Il y a certains trucs, nous pouvons en parler hors antenne. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel type de siège tu t'es assise? Aïe, ma aussi a mis un âme là. Quelqu'un, Dieu m'a donné une onction particulière. Et je dois faire quelque chose à quelqu'un. Je vais parler seulement. Et la personne va se lever. Hello, merci, amen. Awo. Donnez-la, Gao. Hello, merci, amen. Bien sûr. Donnez-la, Gao. Écoute, Daniel, la vie au Dieu m'a et je dois utiliser cette onction afin que toi ton soit changé. Appelle-moi de partout. Yom, fifi là. Appelle-moi maintenant. Je vais te dire un seul mot. Un seul mot que je vais déclarer sur ta vie. Cela fera que la situation changera. Si vraiment je suis un homme de Dieu, et ce n'est pas un homme qui m'a appelé, ce soir, d'autres vont commencer par témoigner. Appelle-moi sur le 92, 17, 18, 65.
Tu vas parler avec moi directement en ligne ici. Là non, là non, là faut nom en direct. Pour me parler en direct tout de suite. Vonen Djibel, il faut nom les hors antenne. Mais si tu veux me parler hors antenne. 90 88 10 39. On ira où le Wetroya. Tu es venu ce soir. Non, vu l'on entend le Yesu. Bien aimé. On va nous tout ya. On dit cet homme. Aïe, où tu te le Anigban. Lorsqu'il s'est levé de la terre. Aïe, où zon là. Lorsqu'il a marché. Nougba, y où wa. La première chose qu'il a fait, il est rentré dans le temple. Il est allé pour adorer avec les gens. Il est allé pour rester dans la joie avec les gens. Tu es dans une situation maintenant. Tu n'arrives pas à aller à l'église. Parce que tu n'as rien pratiquement. Et le banc sur lequel tu t'assois. Non, l'appel de fond, on parle d'appel de fond, tout le monde qui se voit quand il reste. Hello. Hello. Yeah. Ah, bonsoir, alléluia. Amen, Oyirao. Ah ah, nous sommes sur table bosse là. Ayo sur table bon Oyirao. Vous êtes béni. Nous les ont dit mazon. La zon. Tu vas marcher. Blonambe amen. Dis-moi amen. Amen. Le wetro ya me are. Ce soir, manyabana. Je sais. Qu'il y a une grâce qui continue par œuvrer. Distance, la distance n'est pas un problème à l'Esprit Saint. Ce n'est pas une barrière à l'Esprit Saint. Dans le wetro yame. Pour cela ce soir. Depuis Tabligbo, je t'ordonne maintenant toute situation de paralysie, toute situation de paralysie dans laquelle se terrait ce soir, lève-toi, marche, lève-toi, marche au nom de Jésus. Oh, tous ceux qui sont de Tabligbo, vous êtes bénis. Amen. 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 Tu es béni. Amen. Hallelujah. Amen. Nous remercions l'Éternel Dieu. Nous le disons très souvent. La télévision sur laquelle nous sommes ici. L'œuvre que nous faisons. Ce n'est pas nous-mêmes notre travail. C'est l'œuvre de l'Éternel Dieu lui-même. Tu veux aider l'œuvre. Il faut appeler les techniciens. Si, même si tu appelles sur l'émission, si ne sont pas en mission, ils vont te recevoir. Et tu diras, tu veux soutenir l'homme de Dieu qui vient tous les mercredis de 18h à 19h. Mon nom c'est Pasteur Évangéliste Deo. Tu peux appeler moi-même directement sur le 90-88. Tu peux faire tout ce que tu veux afin que nous puissions continuer l'œuvre. Voilà le numéro qu'on a inscrit sur la télévision. Si tu n'as pas encore d'argent, il faut copier le numéro. Cela pourrait te faire du bien. Cela pourrait te faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux nous appeler partout où tu es. Mais ce soir, je voudrais faire appel à quelqu'un que notre télévision dans laquelle nous sommes ici, la télévision a besoin d'un groupe électrogène. Un groupe électrogène, c'est nous qui allons soutenir la mission afin que cela puisse aller de l'avant. Si tu es quelque part, donc si tu peux soutenir l'œuvre. Moi aussi je voudrais soutenir l'appel du groupe électrogène. Tu verras que le Dieu qui bénit te bénira. À tout moment tu vas dire homme de Dieu bénis-moi. Non, il y a certaines actions qui déclenchent la bénédiction dans la vie des gens. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, ça fait que certaines grâces surabondent dans la vie des gens. Je voudrais te dire quelque chose avant de quitter ce soir. Ce que je veux pour toi,
qu'un ange vienne. Aïe, wa va doang en yuino. Et qu'il te donne. Elle a mis. Parce que dans ce système, il y a un ange qui œuvre. Aïe, on avait dola Gabriel. Elle appelle ange Gabriel. Ne va la nyanyu, on va donner un ange. Il apporte une bonne nouvelle. Non, il n'amène pas de mauvaise nouvelle. Pour cela ce soir, dola Gabriel. Ange Gabriel. Même son de tu as balé au son de Marie avec Elisabeth. Il marche sur toi, la manière dont il a marché sur Marie et Elisabeth. Ah voilà. Ne visite, mais il a marché. Qu'il te visite. Alléluia. Ne visite, ou abale, ou visite Marie avec Elisabeth. Qu'il te visite la manière dont il a visité Marie et Elisabeth. Aïe, ou adouane nuit na ou. Et qu'il t'apporte une bonne fouille. Fouille, qu'elle a dit, ben y'a fort. Oh, ça tu veux. T'avais fouille, ne ben y'a fort. Tu veux, tu veux. Qu'il te dise que maintenant. Aïe, ça l'est, et maintenant, très bientôt, tu vas enfanter. Mais quand même, nous n'y a pas. Qui ne veut pas de bonnes choses. Que les bonnes choses te parviennent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Parce que tu as mis de l'eau sur cette parole. Quelqu'un dans la paralysie, il a commencé par marcher. Quelqu'un qui est assis sur place. Et il pleure à tout moment. Ce soir, il s'est levé. Oh, une femme enceinte s'est levée. Un pauvre s'est levé. Un aveugle s'est levé. Toute situation dans laquelle quelqu'un, que la personne se lève au nom de Jésus. Pour cela, ce soir, Saint-Esprit, merci. Parce que tout ce que tu veux faire, tu l'as fait. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Je salue notre pasteur, papa Haji. Je salue notre papa Clément Asogba. Notre papa après mes coups Emmanuel. Et pasteur yo kata pasteur Emmanuel Adaglo. Notre pasteur papa Emmanuel Adaglo. Pasteur Jacques Medogbeno kata. Pasteur Jacques, je les salue eux tous. Maune yirami. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Emmanuel, 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 your name be praised, Emmanuel. Your name be praised. When we come in your name, you are right within us, Emmanuel. Your name be praised. Yeah.